Bonjour à tous, nous sommes à l'Assemblée Générale de la CAPEB et je suis maintenant avec Françoise Després. Françoise, bonjour. Bonjour Frédéric. Je le rappelle, Françoise, vous êtes la présidente de la CNATP. Vous êtes partie prenante aujourd'hui de la signature d'une grande convention avec la CAPEB, l'OBBTP, l'IRIS. Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, ce qui nous a motivé, tout d'abord, c'est que bien sûr, on est en responsabilité et pour nous, la sécurité de nos salariés et aussi le point de vue maladie de nos salariés et de nos chefs d'entreprise est quelque chose de très important. On veut être précurseur dans ce domaine-là. C'est quelque chose auquel on est très attaché. Depuis déjà pas mal d'années, on travaille avec l'OPBBTP hein, sans avoir signé de convention particulière, puisqu'avant, c'était au travers de l'IRIS-ST. Mais en tous les cas, on a déjà commencé le travail avant la signature de cette convention. Celle-ci va nous permettre de mettre vraiment les choses en lumière et en place. Alors, je tiens à dire que le travail avec l'OP est très efficace parce qu'il y a une proximité. On se connaît, on a l'habitude de travailler ensemble. Et pour citer un exemple, pendant la crise Covid, le guide de préconisation sanitaire a été mis en place très rapidement. Parce que précisément, il y avait cette fluidité. Voilà, cette fluidité, cet échange, cette proximité. Et vraiment, je tiens à le dire et à les remercier parce qu'on a pu être les premiers dans le bâtiment et les travaux publics à pouvoir mettre en route tout cela. Je le rappelle, cette convention qui se signe aujourd'hui associe la CNATP, dont vous êtes la présidente, l'OBBTP, l'IRIS et la CAPEB. Ouais. Quel sera le rôle de la CNATP, plus spécifiquement? Alors, il y aura plusieurs rôles. Hein. Il y aura un rôle de lanceur d'alerte, c'est-à-dire quand on rencontre des problématiques, évidemment, de tout de suite voir ce que l'on peut faire et mettre en place avec l'OP, toujours dans cette proximité hein, de pouvoir alerter. On aura aussi, bien sûr, après, le rôle de relayer l'information une fois que les choses seront faites et puis mises en place, on va dire. Et bien sûr, le rôle d'une organisation professionnelle comme la nôtre, comme la CAPEB, c'est vraiment de pouvoir amener le maximum de services pour que nos adhérents puissent travailler en toute sécurité, protéger leurs salariés et eux-mêmes. C'est très clair. Françoise Després, merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.